Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, une vidéo breaking news, puisqu'on vient tout juste d'apprendre via le V-Jump que Broly SSJ 3 était annoncé sur Dokkan Battle. On va en discuter ensemble. Il y a aussi eu beaucoup de, enfin, 2-3 informations sur Naruto Ninja Blazing. Donc je ferai aussi une vidéo pour Naruto Ninja Blazing avec le prochain Blazing Festival, avec le nouveau personnage qui a été annoncé, et le prochain raid aussi sur Naruto Blazing. Donc j'annoncerai ça aussi dans une autre vidéo. Juste avant, tu commences à être habitué, ça va être l'avant-dernière vidéo concernant ça. Je vais te parler de l'émulateur que j'utilise, qui n'est autre que Nox. Donc Nox est un émulateur qui te permet de jouer à des jeux mobiles, entre autres, sur PC. Donc le lien sera dans la description, tu auras juste à y aller pour pouvoir le télécharger, c'est gratuit. Et tu peux utiliser Nox comme émulateur pour jouer à Naruto Blazing, Dokkan Battle et d'autres jeux mobiles. Attention à Dokkan Battle, puisque ces derniers temps, la rumeur dit qu'on peut se faire ban si on joue sur émulateur. Donc faites gaffe pour ceux qui sont sur Dokkan Battle. Plutôt conseiller de continuer à jouer sur vos téléphones portables, mais pour les autres jeux, il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser les émulateurs. Voilà, voilà, donc lien dans la description. Sur ce, on va voir donc, vous voyez à l'image, ce qui a été leak, donc ça c'est ce qui est dans le V-Jump, donc on peut voir le Broly SSJ 3 avec le Broly Endurance. En fait, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a le Broly Endurance qui va avoir son Dokkan et qui va se transformer en Broly SSJ 3. Et un nouveau Broly SSJ 3 de type extrême technique. Alors malheureusement, dans le V-Jump, il est marqué que c'est un type super. Sauf qu'à 99% tout le monde pense qu'ils se sont plantés et que c'est bien un type extrême. Puisqu'en plus, le super tech est déjà sorti, donc ça sera certainement l'extrême tech à 100, enfin, allez, à 99%. Ce que tu vois en dessous là, c'est en fait un Stropoil, donc un vote. De certains personnages de Dokkan Festival, on devra devoir en choisir un, et ça sera lui qui sera la tête d'affiche du prochain Dokkan Festival qui aura lieu le 7 juillet. Donc je vais te donner exactement toutes les informations correctement maintenant, qui ont été traduites par l'ami Nordax sur Twitter. Alors du coup, SSR Tech Broly SSJ 3, entre parenthèses de type super, sauf que on pense tous que c'est une erreur de traduction, enfin de traduction, non, de caractère sur le V-Jump, et qu'en fait c'est un extrême, ça n'a pas de sens qu'il soit super, donc c'est certainement un extrême. Débarque dans la prochaine loterie de Cannes Festival. Un Broly Endurance, personnage obtenable dans le Dokkan Event de Broly, va connaître un éveil Dokkan en Endurance SSJ 3 Broly Extrême. Donc Endurance SSJ 3 Broly, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Du 21 juin au 3 juillet, il y aura un vote parmi les personnages Dokkan Festival exclusifs. Les personnages qui auront le plus de votes apparaîtront dans la prochaine loterie Dokkan Festival du 7 juillet. Donc à partir du 21 juin, on aura le lien. Je crois qu'il y a déjà le lien sur Reddit, mais il marche pas, j'arrive pas à y aller moi. Pour voter sur les personnages qu'on aimerait avoir dans le prochain Dokkan Festival exclusif. Donc du coup, ça sera à nous de choisir. C'est que sur la Jap évidemment pour l'instant, à moins qu'ils le mettent aussi sur la Global rapidement, mais je pense pas, je pense que ça arrivera en plusieurs moments, ou peut-être même jamais sur la Glo. Donc voilà un petit peu les dernières nouveautés, ce qu'on sait. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Broly SSJ 3 Tech? Pour ma part, j'adore le skin, de toute façon j'adore Broly, je suis un fanboy de Broly, donc moi il peut me sortir n'importe quel Broly, je serais content. Ceci dit, ça commence à piocher les cartes dans les Dragon Ball Heroes et compagnie, même s'il y avait déjà eu une loterie là-dessus. Ok, alors clairement la politique c'est quoi? C'est que là ils attendent que Dragon Ball Super avance et ils vont piocher les persos dans Dragon Ball Heroes, dans d'autres conneries du genre. Et à partir du moment où Dragon Ball Super aura bien avancé, les personnages vont arriver dans Dokkan Battle, c'est une certitude. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc moi c'est mon avis, je pense que là on s'oriente sur ça. On aura terminé la phase des Neo God Leader. Maintenant, on aura les deux Neo God Leader Rainbow, donc qui remplaceront SVB et Rosé. Certainement Gogeta 4 pour les supers, et en méchant, je ne sais pas trop. Pas trop d'idées pour l'instant en méchant. Peut-être qu'il y a des mecs dans les commentaires qui ont une idée géniale. Je vois pas trop qui pourrait mettre en méchant, qui pourrait faire l'affaire. Moi, j'aimerais bien un nouveau Gatai, même s'il n'est pas depuis longtemps. Gatai Zamasu mérite une carte beaucoup plus forte que ce qu'il a. C'est un des plus gros, un des personnages les plus forts de la série, donc j'estime qu'il mérite une meilleure carte que ça. Donc du coup, voilà pour ce Broly SSJ 3. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Il y en a qui vont kiffer, il y en a qui vont dire c'est de la merde, parce qu'en plus c'est même pas tiré du manga, enfin du manga ou des OAV ou quoi, c'est un truc à part qui a été créé, voilà, où tu as un peu tout n'importe quoi, Bardock, SSJ3, toutes ces conneries là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2018, on aura la sortie de DB Fighters, donc sur PS4, Xbox et PC. Un nouveau jeu mobile, donc une nouvelle ère. Je pense que Dokkan en 2018, ce sera presque fini. Déjà que là, ça s'essouffle un tout petit peu, surtout dû à cause de la phase des bans, qui a mis un coup moral à pas mal de gens, sur ceux qui ont été bans comme moi, et même ceux qui n'ont pas été bans ont peur de se faire ban maintenant, parce qu'on peut se faire ban pour n'importe quoi. Donc du coup, c'est... En ce moment, c'est pas ouf. Peut-être que ça va remonter là avec le Broly SSJ3 ou avec Gogeta SSJ4 dans les semaines qui arrivent, j'en doute pas. Mais là, en ce moment, on est dans un petit creux sur Dokkan Battle. Et en tout cas, en 2018, je pense qu'on aura passé l'affaire sur d'autres jeux que sont DB Fighters, pour ceux qui voudront jouer à DB Fighters, et le nouveau jeu mobile Dragon Ball qui a été annoncé. On verra bien en tout cas comment ça se passe. Alors je vais aller voir sur Reddit en direct live si on a d'autres informations qui seraient tombées pendant que je suis en train de faire la vidéo. Alors là il donne le lien pour voter, mais le lien ne fonctionne pas. Vous me direz s'il fonctionne chez vous, mais moi ça ne marche pas. J'essaye là pour voir le site est inaccessible. Donc peut-être qu'il marchera qu'à partir du 21, comme annoncé, juste avant, ça ne fonctionnera pas. C'est possible. Donc du coup, il faudra attendre le 21 pour pouvoir faire le vote. Est-ce qu'on a des nouvelles choses? Pas grand chose d'autre pour l'instant. C'est ce qui a leaké dans le V-Jump. Donc je voulais vous mettre au courant là-dessus. Qu'est-ce qu'ils nous disent en anglais? Ils ont bien traduit super comme Nordax, hein, en anglais aussi, mais comme je vous le disais, c'est certainement une erreur. Oui, aussi, je vous l'ai pas dit, mais du coup, on pourra farmer sa spé, du coup, avec le Broly Endurance, puisque le Broly Endurance se dokkan en SSJ3, Broly. Donc le Broly Endurance va te permettre, comme il l'a fait pour le Broly Puissance, Le Broly de puissance, les deux d'ailleurs, le LR et l'autre, va te permettre de monter l'aspect gratuitement de ce Broly. Donc ça, c'est un très bon point pour lui, avant même qu'il soit déjà connu au niveau des stats et au niveau de son leader. Son leader sera le même que les autres, mais son passif surtout. Au moins, voilà, sa spé est farmable gratuitement. Et ça, c'est un bon point pour lui, comme je viens de le dire. Et aussi, pour les joueurs free-to-play, tu vas pouvoir avoir un Broly SSJ3 Endurance. Donc on verra aussi ce qu'il va donner. Je sais pas trop ce que ça va faire. Est-ce qu'il va être OP ou pas? Parce que les dernières unités free-to-play... Enfin, il faut se rendre compte que les dernières unités free-to-play qu'on a eues, c'est quoi? C'est bon, le Broly Bio Broly qui est sympathique. Le Goku Tech qui est très très bon. Le Goku Junior qui est extrêmement bon. Et... merde, j'en ai oublié un. Qui est très bon aussi. Goku Tech... Goku Junior, Bio Broly. Ah merde. Je crois que j'en ai oublié un, mais je suis plus sûr. Vous me direz ça dans les commentaires. Celui-là, j'espère qu'il va rester dans la lignée de ce qu'ils nous ont sorti avant et qu'il va être très fort aussi pour les persos free-to-play, pour les gens qui sont en free-to-play. Et on a aussi le Baby. Le Baby GT est pas dégueulasse, le AJ. Même s'il est en dessous de ceux dont je viens de parler, mais il est vraiment pas dégueu, il est intéressant, il a des stats vraiment très correctes. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lignée-là pour qu'on puisse avoir une team free-to-play à terme qui soit évidemment bien en dessous des persos que tu peux avoir dans les Dokkan Festival et dans les bannières, mais qui te permettra de faire entièrement tous les events sans trop de soucis avec des unités free-to-play. Et pourquoi pas même qui te permettent de faire le Super 3 en free-to-play. Alors celui qui fait le Super 3 en free-to-play, à l'heure actuelle, franchement, je lui dirais GG, hein, parce que comme ça, ça me paraît très très compliqué quand même. T'imagines faire le Super 3 en free-to-play, sachant que le Super 3 déjà, il n'y a pas toutes les teams extrêmes, enfin Neo God Leader, qui peuvent le faire. Donc en plus, tu veux le faire en free-to-play. Ouais, là, ça va être très compliqué pour le rendre free-to-play. Je pense qu'il sera très... Enfin, je pense clairement qu'on pourra jamais le faire en free-to-play, ou alors dans très longtemps. Et encore, j'en suis même pas sûr. Enfin bref, voilà. Donne-moi aussi ton avis sur les personnes sur lesquelles tu vas voter, toi, pour l'espèce de blazing. Le Dokkan Festival qui arrivera le 7 juillet, où ce sera nous qui allons choisir quel perso on va retrouver parmi ceux qui sont déjà sortis. Donc, quel perso, toi, tu vas choisir? Est-ce qu'il y aura les Neo God Leader dans le vote? Possible.
Parce que là, sur l'image, comme tu peux le voir, tu vois que Ikari, SVB et Rosé, ils ne montrent pas de Neo God Leader. Ils auraient pu montrer Goku, Vegeta, Cooler, etc. Mais ils ont montré ces trois-là. Alors peut-être qu'il n'y aura pas les Neo God Leader, mais tous les autres avant. Je sais pas trop comment ça va se tourner. Si jamais il n'y a pas les Neo God Leader, moi je voterai plus pour du SVB, du Rosé, du Vegeta Puissance SSJ3. Parce que crois-le ou non, mais sur mon compte qui a été ban, je ne l'avais pas et j'aurais bien aimé l'avoir, revenir dans un portail. Sinon, s'il y a les Neo God Leader, moi je voterai personnellement pour Goku SSJ4, Cooler, Gogeta. Pour qui je pourrais voter encore? Pas Janemba. Vegeta SSJ4 aussi, qui est un très très bon quand même, faut pas déconner. Je voterai pour ces 4 là, je pense. Les deux SSJ4, Cooler et Gogeta. Ouais. Ou peut-être Gotenks aussi. Le Gotenks aussi, qui a eu une bannière assez dégueulasse. Donc là, ce serait l'occasion de l'avoir dans une bannière cool. Donc pourquoi pas le Gotenks aussi, ouais. Pourquoi pas le Gotenks à la place du Vegeta SSJ4, par exemple. Pourquoi pas le Gotenks, ouais. À voir. Dis-moi, toi, dans les commentaires, pour qui tu voterais. Et sur quelle option tu mettrais ton dévolu quand il y aura le Stropole qui va sortir. Enfin, bref. Je pense t'avoir tout dit. Dès qu'il y a des news, tu le sais, je te tiendrai au courant dès que je peux. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée surtout, parce que ça va arriver dans la soirée, surtout la vidéo. Je te fais des bisous, je te dis à très bientôt. Pense à laisser des pouces bleus, comme d'habitude, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à te réabonner si YouTube t'a désabonné, et à me suivre sur les réseaux sociaux dans la description. Et puis à très bientôt pour une vidéo Naruto Blazing, où je vais parler des deux nouveautés aussi qui ont été leaked dans le V-Jump. Sur ce, à la prochaine, ciao, des bisous.